fois, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30 en heure locale et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette soirée. Merci pour ta parole. Merci pour l'évangile. Seigneur, nous voulons honorer, Seigneur, ton nom. Nous voulons proclamer haut et fort notre Seigneur, notre amour pour ta vérité, pour toi, Seigneur, pour toi. Guide nos cœurs, nos pas vers ta parole, vers ta lumière. Merci pour cette soirée. Merci pour les nations, Seigneur, que tu visites. Et merci pour le corps de Christ, ton corps, que tu, Seigneur, inondes de ton amour. Au nom de Yeshua, notre Maître. Amen. Voilà, mes amis, je vais d'abord faire quelques annonces concernant les différents programmes qui sont organisés. Donc, le dimanche prochain, donc le dimanche 9 décembre, à partir de, je pense, et si je ne me trompe pas, en fait, ça sera toute la journée, mais logiquement, à partir de 13h, 14h, si je ne me trompe pas. Et voilà, il y a une réunion organisée hein, à Savigny-le-Temple. Et c'est une ville en banlieue de Paris, banlieue sud. Et donc, une après-midi d'adoration, de louange par des cantiques. Et il y aura aussi certainement des témoignages, ainsi que la prédication de l'évangile, l'enseignement biblique. Voilà, donc c'est ce dimanche à partir de 14h. Donc je voulais vous passer, vous montrer juste une courte vidéo voilà, de nos frères et sœurs qui adorent le Seigneur, qui se préparent dans la prière par les chants pour ce programme. Bien sûr, il y a des chants inspirés, des chants instantanés. On va se laisser guider par le Seigneur comme d'habitude. Voilà, suivez cet élément. De partage, de louange, d'adoration avec nos frères et sœurs qui, bien sûr, vont se joindre à nous ce dimanche 9 à Savigny-le-Temple pour adorer le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Donc, ce dimanche, nous sommes à Savigny-le-Temple à partir de 14h, mais la salle, logiquement, sera ouverte dès le matin. Pour pouvoir la prêter et puis éventuellement passer du temps dans la prière, voilà, pour ceux et celles qui viendront de loin. Voilà, ça c'était pour le programme de ce dimanche. Le 15 et le 16 prochain, donc le 14 et le 15 décembre, nous sommes en Suède. Voilà, le 14 et le 15 décembre, nous sommes en Suède. Et voilà, les informations sont bien sûr là-dessus. Et le Seigneur va, n'est-ce pas, nous permettre, si cela est sa volonté parfaite, nous permettre de nous retrouver en Suède pour deux jours de réunion de réveil. Voilà, donc pour ceux et celles qui veulent avoir des informations concernant ces deux jours de programme en Suède, bien, vous avez les deux numéros de téléphone qui sont affichés, n'est-ce pas, sur l'écran, et ainsi que l'adresse de la salle où aura lieu ces deux jours de programme. Voilà. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, que nos frères et sœurs de Finlande, de la Suède, du Danemark, de
la Norvège et ainsi que de la Hollande, hein, qui, des Pays-Bas, qui ont à cœur de voilà, se joindre à nous pour ce programme, ben, vous êtes les bienvenus, ainsi que ceux et celles qui viendraient d'autres endroits. Que le Seigneur soit béni en tout cas, et nous voulons encourager nos frères et sœurs de la Suède pour leur amour pour le Seigneur, pour leur sollicitude, pour leur unité. Voilà, travaillons dans l'unité car le Seigneur revient. Voilà, que le Seigneur soit béni. Et on va passer à une autre annonce. Et le 21, alors je ne sais pas s'il y a déjà le slide, l'affiche. Le 21 décembre, nous sommes à Bruxelles et c'est un vendredi, toute la nuit. Donc on aura une nuit de prière, de louange, d'adoration, une nuit d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. On le fait tout le temps, on doit le faire tous les jours. Mais parfois, le Seigneur nous donne l'occasion, l'opportunité, les moyens de pouvoir nous organiser voilà, avec des frères et sœurs du monde entier qui se présentent, qui viennent à Paris, qui viennent en Belgique, partout, peu importe l'endroit. En fait, le Seigneur nous donne parfois l'occasion de nous retrouver avec des milliers de personnes pour qu'ensemble, nous l'adorions en esprit et en vérité. Donc, il y aura bel et bien une nuit d'action de grâce le vendredi 21 décembre 2018 à partir de 19h. Et voilà, ça sera dans une nouvelle salle, une salle que nos frères et sœurs de Belgique ont pu louer. Merci à ceux et celles qui ont eu à cœur, n'est-ce pas, ce programme depuis déjà quelques mois. Et je crois qu'il y a un an ou deux ans, des frères et sœurs de Bruxelles voulaient déjà organiser cette nuit d'action de grâce en Belgique, mais ça n'a pas été. Et cette fois-ci, le Seigneur a ouvert une porte. Voilà. Donc, le Seigneur soit béni. Alors, c'est une salle qui est réservée, une salle qui peut contenir à peu près 1000 personnes. Et voilà. Donc, le Seigneur soit béni. Je sais qu'il y aura des frères et sœurs d'Allemagne, de Bruxelles, bien sûr de Belgique, hein, de toute la Belgique, la France et de plusieurs autres pays. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Et bientôt, ce sera au Luxembourg, si le Seigneur permet que cela se fasse. Voilà, que le Seigneur soit béni en tout cas. Voilà les différentes annonces que j'avais à faire concernant nos programmes pour ce mois-ci. Et que le Seigneur soit glorifié, mes amis, au nom de Yeshua, notre Maître. Voilà, donc on revient dans quelques minutes.